C'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars. Aujourd'hui, ça sera la première vidéo sur FUT 17. Donc voilà, aujourd'hui, les gars, pour commencer FUT 17, je fais une vidéo d'achat-revente. Donc une vidéo pour débuter, tout simplement. Donc c'est une technique d'achat-revente qui vous rapportera entre 200 et 300 crédits minimum par joueur. Donc voilà, regarde, allez voir dans la description, je vous ai mis une liste de joueurs, tout simplement. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer mes ventes. Donc j'en ai pas fait énormément, je suis pas quelqu'un qui reste 300 ans sur la console. Enfin là ça fait que 2 jours que j'ai le jeu. J'ai pas eu trop le temps avec les cours et tout. Donc voilà, j'ai quand même réussi à faire 18 ventes. Donc voilà, dans ces ventes là il y a du Kone, du Rabiot, Mignolet, Albritton, Rafinha, Mikel, Capou, encore du Rafinha, encore du Mikel, Kone une nouvelle fois, Capou, Albritton, Fabinho, Memedi, Mikel, Rafinha et Welbeck. Donc voilà, cette technique, je lui ai pas donné de nom, c'est la technique de tout simplement de Cloppy Boys, si vous connaissez. Donc voilà, cette technique, elle est tout simple. Déjà, je vais relister, voilà. On va aller prendre un joueur de la liste, donc par exemple, on va aller prendre Kone. Donc c'est tout simple, on va rechercher Kone dans le marché. Donc c'est Aruana Kone. On va mettre son prix minimum. Donc il est à combien? Il est à 550, il y en a beaucoup. On va regarder en dessous. Est-ce qu'à 500 il y en a? Oui, il y en a deux. On voit qu'ils sont pas très très intéressants hein, avec prenez minimum les gars, 7 contrats et 95 de forme. Là il y a pas ni 7 contrats ni 95 de forme. Donc c'est pas grave, on va aller regarder à 450 peut-être, non. Alors on va regarder à 550 s'il y a des cartes intéressantes. Là vu que le jeu est sorti sur PS4, il peut avoir des cartes avec des styles ou avec des contrats en plus. Donc faites bien gaffe à ça. Donc là on va prendre une carte, voilà, on va pas se casser la tête, on va prendre une carte normale. Donc on va prendre une carte avec 7 contrats 99 de forme, rien de plus simple. Donc voilà, on va la prendre au prix minimum. Donc je l'ai pris à 550. Je vais la lister sur le marché des transferts. Je vais mettre entre 200 et 300 crédits de plus. Donc là je vais mettre à 800. Voilà, pour me faire un bénéfice de avec la taxe, on va dire entre 200 et 250 crédits de bénéf. Et voilà, comme ça marche très très bien, il y a énormément de ventes par jour. Par heure je veux dire. Donc j'ai halluciné, hein. C'est par rapport à l'année dernière, c'est incroyable comment ça commence fort. Dès le premier jour, on fait autant de ventes, c'est juste incroyable. Donc voilà, l'achat revente cette année, je pense que ça va marcher à merveille. Hein. C'est incroyable comment les joueurs partent vite. Donc voilà, et après vous refaites les mêmes joueurs et ainsi de suite. Et vous allez vous faire beaucoup de crédit. On va faire sur Rafinha. Blague. Alors le Rabiot a 850 crédits. D'accord. Bon bah on va le prendre à. Ok, il y en a un 700. Il y en a un 700. Bah j'ai fait une affaire là. Je vais le remettre après. Voilà, vous pouvez faire des affaires en tech 59. Donc là il a 850. What the f. Ah non, j'ai écrit il était 600. Donc du coup je le prends. J'en prends un, voilà, à 850. Et je vais aller le relister. Donc attendez, c'est lequel? Donc celui-là je vais le mettre sur la liste, je m'en occuperai après. Donc voilà. Celui-là je l'ai pris à 850. Je vais le mettre à 1200. Je vais le mettre à 1200 crédits. Et voilà. On va attendre qu'il parte tranquillement. Donc voilà les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Hein, je vous répondrai. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher le max de likes comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.